Salut les amis et bienvenue pour cette première rediffusion de nos lives Yokawash Blasters. Comme l'année dernière, on avait fait Yokawash 2 en live sur Twitch et j'avais fait des rediffusions toutes les semaines, enfin toutes les semaines jusqu'au moment où j'étais plus motivé et j'en sortais plus. Mais bon, n'en parlons plus. Dans tous les cas, là ça va être très vite hein, comme intro. On commence cette année Yokawash Blasters, on a déjà fait deux lives. Donc les lives, je vous préviens tout de suite, ils peuvent pas être sur YouTube, j'ai plus le droit de faire des lives sur YouTube. Bon, si vous voulez savoir pourquoi, allez me demander sur Twitch. Justement, les lives maintenant sont sur Twitch et donc ce sera tous les samedi, je peux pas donner d'heure exacte, mais c'est en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi. En tout cas, c'est souvent à partir de 14h, donc c'est à 14h ou à 15h. Et pendant 2h, on joue à Yokawash Blasters. Je fais l'aventure et je fais d'ailleurs l'émission avec vous en ligne. Donc voilà, les amis, si vous voulez, allez vous abonner à ma chaîne Twitch, twitch.tv/kirbendo. Si vous n'avez pas Twitch, et bien sachez que sur YouTube, je publie dans l'onglet communauté au moment où les lives commencent une notification. Sauf que vous n'avez pas toujours la notification en temps réel sur YouTube, c'est avec les algorithmes, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc sinon, allez me suivre sur Twitter, hein. Je suis toujours sur Twitter. Sur Twitter, mon compte c'est Kirbendo, et donc vous pouvez là-bas afficher les notifications, et il y a aussi toujours une notification de live dès que je suis en live, que ce soit sur Yokawash ou autre chose. Donc voilà les amis, suivez-moi sur Twitch ou sur Twitter pour savoir quand sont les lives. Dans tous les cas, vraiment, pour le retour de Yokawash Blasters, qui est mon Yokawash préféré, ou c'est le 2, je sais pas, l'un des deux. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et c'est parti. Wesh, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour Yokawash Blasters enfin. On pourra jouer avec toi, justement, c'est le but. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on débloque le mode multi sur le jeu. Je crois que les premières missions, on a le droit de les faire que tout seul. Mais à un moment dans le jeu, on débloque le multi. Et à partir du moment où je débloquerai le multi, je ferai les missions avec vous. My body is ready. La force que j'ai mise, ce volcan sous la banquise, je l'utilise à forger mon âme et la lame que j'aiguise. Tu veux te taire, au contraire, crie à ce monde, à l'univers, que ton sang rouge danse en toi et refuse qu'on le déguise. Tu dois prendre ta chance, la saison est venue. Caille-la sur la branche, dépêche-toi, elle sera ton salut. Le Bravo, tu as ajouté Brigade du Lapin Lunaire. Applaudissez-moi dans le chat. Vas-y, Brigade du Lapin Lunaire. Oh, il l'a dit aussi. Allez, nouvelle partie. Mais pourquoi Thomas? Je sais pas. Pourquoi Thomas, Tomato? Peut-être parce que c'est peloton du chat rouge, rouge tomate. Genre ça... Non, nouvelle partie. On n'importe pas. La terreur. C'est un phénomène terrible, où des yokai malfaisants parcourent les rues. Chaque terreur amène des peurs grandissantes aux yokai en bas de la chaîne alimentaire. Mais des yokai héroïques s'y opposeront au nom de la justice. Leur nom? Les Yokai Watch Blaster! Ces yokai se battent dans le but de préserver la paix dans le monde humain. Ceci est l'histoire de ces blasters incroyables qui ne connaissent pas la peur. Pour la échapper,
les fameux blasters fond de tiroir. En tant que capitaine de cette équipe, j'ai honte. L'escadron du balai, vous avez rendu l'âme. Oui, sir. On est des esprits, je t'ai pas dit. Hein? Non. Arrête tes calembours. Désolé, j'ai trop peur de l'extérieur. Toute la journée, les yokai de nos jours sont faibles. Ne me dites pas que vous vous êtes encore enfui aujourd'hui. Je ferais mieux de me taire, vu que je suis à mi-temps. Mais s'enfuir, c'est un peu la honte, non? Soldats, c'est l'heure de repartir. C'est vous les blasters poules mouillées dont tout le monde parle? Hé, hey, tu vois des plumes? Je suis un chat, un félin chien portant ectoplasme. Pardon, mais par poules mouillées, il veut sûrement dire peureux. Oui, je pense. À partir d'aujourd'hui, ce sera moi, coach Anthony, qui vous entraînerai. Je ne vais pas vous ménager, soyez prêts à tout, compris? Tu peux nous expliquer? Tu ne peux pas venir ici comme ça et... Si tu as un problème, va te plaindre au QG de l'association. Quoi? Le QG de l'association? Tu veux dire l'association Blasters? La Kyokia, quoi? Mais de quoi vous parliez? L'association Blaster est l'organisation qui régit tous les Blasters. Si coach Anthony en vient, il doit être vraiment important. Cher Anthony, que nouveau cet honneur. L'association est toujours la bienvenue ici. Il a vite changé de ton, dis donc. Je suis Whisper, le capitaine de ces Blasters. Capitaine, toi? Capitaine autoproclamé, ouais. Dans ce cas, tu es viré! Après tout, vous avez un nouveau capitaine maintenant, moi! Quoi? Viré? Fallait pas faire le lèche-botte, il fallait lui dire de partir. Soldat, maintenant que je suis là et que je suis votre capitaine, je vais vous aider à devenir les meilleurs Blasters de tous les temps. Plus le temps de jacasser, on va revoir toutes les bases. Dans la maison Blasters, bouge en faisant glisser le pas circulaire. Maintiens le bouton B appuyé quand tu te déplaces pour courir. Mais si tu cours trop longtemps, tu n'auras plus d'énergie. Appuie sur le bouton A pour parler au yokai et sur les boutons... Je sais pas pourquoi je lis le tuto en fait, on s'en fout. Rendez-vous immédiatement au salon du deuxième étage. Oh, deuxième étage. Un yokai appelé Jojo Joyeux vous y attend. J'avais commencé à lire Jojo. Jojo Joyeux. Alors, au début, on n'a pas le choix, on va jouer avec Jibanyan. Qu'est-ce qu'il veut lui déjà? Tu as vu ou pas? Qu'est-ce que j'ai vu? J'apparais dedans. Ouais. Merci, partenaire. Tu regardais vraiment? Je vais vérifier. Ah, c'est quoi la réponse? Il donne quoi déjà? Quel est mon nom? Yusopion, Yumapion. Ouais, Yusapion. C'est ça! Bien sûr, c'était évident. Je le savais. Je savais que je deviendrais célèbre. Maintenant, commençons pour de vrai. Super quiz d'Yusapion, c'est parti. Aidez-moi, les amis, aidez-moi! Question 1, celle-là devrait être facile. Combien de fois est-ce que j'apparais dans la vidéo ouverture? Combien de fois? 5 fois, non? Ça m'étonnerait que ce soit 50 ou 500. On va mettre 5 fois. Hein. Voilà, ok, c'était assez facile. C'est ça, c'était presque trop facile, non? Mais ce n'est que le début. Prochaine question. Question 2. Tu te souviens du combat contre Gargaros au tout début? Eh bien, j'étais là aussi. Quel combat palpitant! Quand je combattais Gargaros, où étais-je? En face du parc du triangle, en face de la boulangerie. Il était où? Attendez, j'ai regardé sur internet quiz d'Yusapion. Triangle, je crois. Vous dites triangle? Bon, on va dire triangle. Eh ben non. Merci, Coco! Mais il va me donner quoi? Après votre fuite face à Gargaros, coach Antonique est arrivé. Je me cachais derrière la maison Blasters à ce moment-là. Quand coach Antonique est arrivé, où est-ce que je me cachais? Derrière le panneau, derrière la poubelle, derrière coach Antonique. Alors, vous répondez quoi? Le dernier, derrière coach Antonique? Eh ben non. Coco, tu dis n'importe quoi! Question numéro 4. Tu te souviens du moment où tu as choisi ton nom dans la maison Blasters?
Tu sais, quand tout le monde s'est présenté au début, eh bien, je m'étais secrètement introduit dans la maison Blasters, mais c'est où est Charlie? Quand vous vous êtes tous présentés, par où suis-je entré? Du haut de la rampe du bas d'escalier des toilettes. Bon, quelqu'un a la réponse, mais quelqu'un d'autre que Coco, s'il vous plaît. Coco, il dit n'importe quoi, il veut nous saboter. C'est du bas des escaliers. Question 4, 5. Vous vous souvenez quand Blizzy a dit que c'était la honte de s'enfuir? C'était pas joli joli, mais bon, vous avez l'habitude, j'imagine. En tout cas, ouais, tu te cachais, vas-y. Où est-ce que je me cachais? Outside the window. Derrière la fenêtre. Ah, Coco, pour une fois, il répond bien. GG, GG. Tu n'as rien gagné. Ce n'est pas ça. C'était pas ça? Si. Tu te souviens quand Coach Anthony est arrivé dans le salon? À ce moment-là, je m'étais faufilé dans la pièce, moi aussi. Quand Coach Anthony est arrivé, par où me suis-je faufilé? Par le plafond, normalement. Par le plafond. Pourquoi il a dit ce n'est pas ça si c'était ça? Trop nul. Le plafond. Merci, Coco. C'est ça. Ok. Et donc? Ouais, mon score n'est pas parfait, et donc j'ai quoi? Allons-y. Attendez, quoi? Ouais, non, mais on s'en fout. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok, très bien, bye. Bon, on refait pas le quiz, hein, flemme. Bonjour, je suis Jojo Joyeux. Coach Anthony et moi allons vous aider à partir de maintenant. Alors, on va peut-être comprendre ce qui se passe. Vous avez une super équipe, je sens qu'il y a du potentiel. Vraiment, c'est bien la première fois qu'on nous dit ça. Vous avez les quatre rôles différents, ce qui crée un équilibre. Les quatre rôles? Les quatre différents rôles yokai sont combattants, tank, guérisseur et ranger. Non, on s'en fout du tuto. On s'en fout. Ouais. Donc en tant que combattant, je dois juste attaquer tout ce qui bouge. Bingo, double bingo, triple bingo bongo. Ok, et toi, Jojo Joyeux, qu'est-ce que tu fais ici? À partir d'aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Nous aider? Avant de partir en mission, vous pouvez changer votre équipe yokai ici. Ok, très bien, merci. Bonjour, oui, non, ok. Bye, le tuto, salut, à la voyeur. Coach Anthony a dit qu'il voulait que vous appreniez les bases. Donc, pour commencer, l'un de vous va partir en mission tout seul. C'est compris? Alors, quand vous êtes prêt, revenez me parler. Et choisissez le yokai que vous voulez utiliser. Bah, Jibanyan, pour commencer, c'est bien ça. Je veux dire qu'au final, on utilise juste Usapion ou Usapion B avec aucun autre yokai, ouais. Ça finit comme ça parce que c'est le plus fort. Ah, vous tombez à pic, j'ai quelque chose pour vous. Laissez-moi vous présenter cette superbe application. Si vous installez cette appli sur votre yokai pad, vous pouvez vérifier rapidement quels yokai sont dans votre groupe de mission. Ah, super utile, merci beaucoup. Je vous en prie, une dernière chose. Vous pouvez sauvegarder en utilisant le yokai pad, regardez. Utilisez l'application journal yokai pad pour sauvegarder ta progression. Tu peux aussi sauvegarder quand tu reviens de mission. Pense à te servir du journal quand tu t'apprêtes à quitter le jeu. C'est tout, vous êtes prêt à accomplir votre devoir. Il est enfin temps de partir pour une vraie mission. Allez au centre de commandement au troisième étage et parlez à Coach Antonic. Vous aurez besoin de sa permission avant de pouvoir partir. Mais c'est qui Coach Antonic? C'est notre père ou quoi? Enfin, soldat, il est temps de partir en mission. Ok. Thanks. Maintenant, vous savez comment faire pour partir en mission. Super, on est tous prêts. Je ferai tout ce dont l'équipe a besoin. C'est ça que je veux entendre, mon bon gros tas de crème. C'est pas très gentil, ça. Tu es vraiment prêt à passer à l'action? J'ai ce qu'il te faut. Ce qu'il me faut, serais-je promu en rang de vice-capitaine? Au rez-de-chaussée, il y a une voiture, la Blaster Mobile, c'est toi qui la conduiras. Pardon? Le chauffeur s'assure que ses alliés partent en mission en toute sécurité. J'ai le permis, mais pour être honnête, je n'aime pas trop conduire. À quoi ça sert alors? Pas de problème, mets-y juste du cœur. C'est ça ton conseil? Affirmatif, maintenant reprenons la procédure pour partir en mission. Vous pouvez commencer en venant me parler. Mais comme là on n'a pas commencé. Vas-y, allez. Les commandes sont identiques à celles de la maison Blaster, merci, bye, bye, bye. Sauf que je peux attaquer, alors qu'on peut pas faire ça dans la maison Blaster. Oui. Oh, le tuto il est un peu relou, hein. Ça m'ennuie déjà. Vas-y, ramasse le petit objet. Oh, l'étoile elle est au-dessus de moi, genre elle est affichée au-dessus de moi. Regardez, elle passe au-dessus de moi, c'est bizarre. Ok, c'est bon, on a un éclaçon, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Ah, mais c'est les objets qu'on garde pour le craft. Allez, salut Cigalopin. Tu veux pas devenir mon ami?
Il y en a un qui va vouloir devenir notre ami, je crois, dans la mission. Parce qu'il nous l'apprenne. C'est peut-être dans la suivante, je sais pas. Vous êtes des larves ou quoi? C'est toi la larve. Tu fais que... Genre tu fais la grande gueule et tout, mais tu viens même pas en mission. En plus, t'es qu'un rambé. Loser. Enfin, moi, je suis rendé. Donc... Ça mousseraille. La porte est apparue, mais on s'en fout. Il faut qu'on tue... Si, yokai. La voiture aurait pu s'appeler les yokai mobiles. C'est vrai, ils l'ont appelé comment, en vrai? Et voilà, on a terminé notre première mission. Avec notre petite Jibanyan. C'est bien, tu as vaincu tous les yokai fauteurs de troubles. Oui, je peux pas partir. Allez. Comment ça, m'échapper? Je vais pas m'échapper, moi. Non, on est des hommes, là. On est à la guerre, on ne s'échappe pas. Non. Je refuse. Non, je ne fuirai pas, hein, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe si on fuit pas, en vrai? On fuit de force, là. Ça nous fait pas perdre tous nos objets et tout. Je sais plus. Mais dans tous les cas, voilà. Je ne suis pas une mauviette, moi je ne fuis pas. Kaiokai pourrait avoir un stand-up power. C'est quoi un stand-up power? Tu veux dire un stand? Comme dans Jojo? Tous. Mais non, ce serait eux-mêmes des stands. Jibanyan, c'est le stand de Rumine. Ah, ok, très bien. Merci pour le petit chocolat. Chocolato. Oh, j'avais oublié le délire de ces éclats. Ah oui, une petite sauvegarde, tant mieux. Parce que sinon, j'aurais recommencé depuis le début du jeu. Donc quand même, ça aurait été un peu relou. Bon retour parmi nous. Je suis content que la mission se soit bien passée. Blizzy, on a travaillé si dur. Tu n'aurais pas quelque chose pour nous? Une petite récompense, par exemple? Pervers. Une récompense? Et ça te va? Ah, je pensais qu'elle allait gifler ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est? Bah, la pire récompense qu'on puisse avoir, vraiment, littéralement, hein. Pas merci, Blizzy. C'est la pire trophée. Installez cette merveille. Et vous pourrez collectionner des trophées qui récompensent votre travail. Super, je commence vraiment à être super motivé. Je suis fatigué aujourd'hui, par contre. On peut remettre ça à demain? Pour l'instant, je veux juste me détendre avec une bonne barre de chocolat. C'est des couilles, manque, j'entends! On ne baisse pas les ailes, les poulets! C'est pas des barres de chocolat pleines de sucre dont vous aurez besoin! Vous avez besoin. C'est de gagner des niveaux! C'est bon, calmos! On n'est pas à l'armée, là! Gagner quoi? Ne dis pas qu'on doit encore faire quelque chose! C'est pénible! On arrête de se plaindre! Allez à la NIFJ, mon premier étage! Allez vous remettre en forme! Coach Anthony qui rend fou aussi. Vous ne pouvez pas m'arrêter! T'arrêter de faire quoi? Et pourquoi tu ris comme ça? Je suis Coach Vito et vous ne pouvez pas nous arrêter, moi et ma passion! Calmos, en plus, mais il est en slip, ça n'a aucun sens. Et les chaussures, c'est sur les pieds, pas sur la tête. Oui, ma passion pour remettre sur le droit chemin ces idiots accros au sucre! Ça, c'est quand même un peu du fat shaming. Super, un autre cinglé. Et maintenant, psychophobie, mais c'est quoi ce jeu? Passez vite, face de pompe! Ça fait combien de temps que t'es là? Un petit moment maintenant! Je suis arrivé, Coach Antonic! Ce qui veut dire que tu es un autre ami de Coach Antonic. Wep! Ça fait des années que je le connais! Je peux pas arrêter de crier! C'est Whisper qui lui dit d'arrêter de crier, donc moi je crie comme lui, même si ça n'a pas de sens. Je fais mon meilleur jeu d'acteur! Parce que mon rêve aurait été de faire un doublage de Yuka Watch, mais on m'a jamais appelé. Donc voilà, je crie comme le perso. À partir d'aujourd'hui, je serai votre coach sportif! Personne ne vous appellera plus les Blasters fond de tiroir, croyez-moi! Parce que je suis ici pour vous aider à gagner des niveaux! Voilà, tu peux maintenant gagner des niveaux dans la NIF Gym au premier étage. Pour commencer, utilisez les orbes boniques que vous venez d'obtenir! Et faites gagner des niveaux à quelqu'un! Allons-y! Ouais, ça me motive pas plus que ça, tout ça, de crier, hein. C'est parti, essayez de gagner des niveaux! Alors, vas-y, Jibanyan, hein. Sinon, je crois qu'on n'a pas le choix, donc allons-y. Orboni insuffisant. Vas-y, on est niveau 5. Bon, il nous reparle encore! Baissez un peu le son quand il nous parle, hein. C'est comme ça que ça marche! Gagner des niveaux est fun! Mais pas te parler pour le coup. Je vais continuer à vous pousser, vous avez intérêt à être prêt! Parfait. Soldat, votre prochaine mission vous attend! Quoi? Déjà une autre? Cette fois-ci, un ami yokai t'accompagnera! Un ami yokai? Mais j'ai pas d'amis. Allez au salon au deuxième étage et demandez de l'aide à Jojo Joyeux! Jojo Joyeux Bizarre Adventure, il devrait faire ça. Par contre, je me suis pété la voix, hein, ça... Fonçons au salon du deuxième étage, alors. Alors... Ouais, ma voix est là. Coach Antonic m'a déjà expliqué ce dont vous avez besoin. D'un ami yokai, n'est-ce pas? Donc vous partez en mission ensemble. Commençons par choisir quelqu'un avec toi. Vous partirez ensemble lors de votre prochaine mission. De la prochaine mission. Très bien, on a couvert tout ce qui concerne les amis yokai.
Maintenant, laissez-moi vous parler de tribu yokai. D'ailleurs, je suis moi-même de la tribu des bienveillants. Abordons notre dernier sujet, les éléments yokai. Ouvrez grand les oreilles. Voilà, c'est tout pour les explications dont vous avez besoin. Allez au centre de commandement au troisième étage et partez en mission. Sélectionne une mission effectuée. Vas-y, choisis une mission, histoire et... Voilà. Et voilà, c'est parti. Comment on fait pour changer de yokai déjà? Bon, je pense qu'il va nous l'apprendre. Cette fois, tu as un ami avec toi, ouais. À nous deux, ça va être du gâteau. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Allez, attention à ne pas prendre le melon et baisser ta garde, Minou. Un peu de respect. C'est toi le Minou. Non, c'est moi le Minou, en vrai. Allez. Salut, Cigalopin. En un coup, mais on est devenu trop fort. Hein. Je suis tarpin fort. Hein. Salut, Samusrai. Je sens la présence d'un ennemi puissant près de l'école. Bah, ça tombe bien, j'y suis. Je vais juste récupérer la petite orbe ici. Pas de soucis, on y est au contraint après tout. Ouais, mais il a l'air peut-être un peu fort quand même. Oh, c'est Sumochi, ben il est pas fort du tout. Il va où là? Il va où? One shot Felipe? Tant qu'à faire. Je t'avais prévenu que qu'est-ce qu'on fait maintenant? Reste avec nous, ne pars pas vers la lumière! On se calme, Patachou, il n'a pas encore fini son ascension! Pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on sait, on sait. Ça veut dire qu'il peut encore être ranimé! Maintiens le bouton B appuyé quand tu es proche de lui! Oui, mais l'autre il va me tuer. Je peux le tuer en attendant? Est-ce que je peux le laisser partir? Je pense que c'est scripté, genre si la barre elle arrive à zéro, elle arrête de progresser, non? Ah, lui on peut pas le tuer? Attendez, mais il interrompt pas notre. Finalement, quand on se fait taper, ça interrompt le truc. Hein. Pas ici. Ah si, bah si. Quoi? Hein? Ah, c'est parce qu'il m'a poussé en fait. D'accord, ok. Très bien, très bien. Ça rappelle tellement de bons souvenirs. Yes. Pfiou, juste à temps. Surtout que lui, c'est le meilleur de Yokai Watch. C'était moins une. Je vous avais bien dit de rester sur la défensive. Même avec un ami Yokai à tes côtés, les missions seront dangereuses. Mais tu peux changer le Yokai que tu contrôles. Ouais, ok, on s'en fout. Blablabla. Bon, c'est pas tout, mais l'ennemi est toujours en vie. Utilisez changer pour prendre votre revanche. Non, je tue avec Jibanyan, voilà. Pourquoi je changerais? C'est un soigneur, il est pas fait pour ça. Ah, c'est réapparu ça? Ou je l'ai pas ramassé? Je sais pas. Quatrième. Et elle est où la porte? Ah là-bas. Okay. Ici, là, qui regarde ce live, qui n'a pas découvert Yokai Watch grâce à moi? C'est une question pour vous, le chat, ou pour les gens dans les commentaires YouTube. Comment avez-vous découvert Yokai Watch? Phew, merci, vous m'avez vraiment sauvé. Comment ça, désolé, ce n'est pas grave, hein, mais cette opération de sauvetage était inattendue, mais vous l'avez menée à bien. Allez, on fuit. Non, je suis pas le mauviette, je fuis pas. Si, je fuis. J'ai découvert qui regarde Yokai Watch, c'est encore mieux. Ouais, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, j'ai l'impression. Ou les deux. Salut, crasse à toi, je suis devenu un fan de Yokai Watch. Crasse à moi. Moi, je suis une crasse. Je suis un crasseux, c'est Natark. Heureusement que j'ai un bon self-control. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait ici? Coach Antonic nous a dit de venir dans la salle de stockage du premier étage. Bienvenue. C'est le magasin, ça, je crois. C'est vraiment pénible. Je suis assez inoccupé, vous savez. C'est quoi le machin? On dirait un métamorphe dans la boîte. Ou alors c'est... Enfin, dans la cage. Ou alors c'est une orbonie, mais... Ouais, celle avec les cornes, ok. Excusez-moi. J'ai des canapés sur lesquels m'allonger et des barres de chocolat à manger. Oh, et un toit sur lequel bronzer sans parler des émissions à regarder. Bon, merci, vous savez, de m'avoir sauvé là-bas. Tous tes plans consistent à paresser. C'est pas ma définition d'occuper. C'est vrai. Personne l'a écouté. D'accord, d'accord. Pas la peine de faire attention à moi. Miaou, 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 Marconito. Je ne t'avais pas vu. Vas-y, on s'en fout. Je suis d'accord, si seulement on avait eu ça avant. Pardon, le magasin, en fait, toujours était là. Vous savez. Ne vous en faites pas. J'ai l'habitude que personne ne remarque ma présence. Ouf. Ah, et une dernière chose. Je dois aussi vous dire comment prendre des objets avec vous lors des missions. Ok, bye bye, on l'écoute pas. Phew, on a couvert tout ce que vous y avez besoin. Ah, c'est Marconito. Ouais, vas-y, on s'en fout de toute façon ce qu'il dit. C'est Marconito, il est incognito. Désolé si l'inauguration vous paraît assez discrète. Ok, on peut continuer à jouer ou pas? Vous voilà, j'ai de bonnes nouvelles. Oui. Bonne comment? Vraiment bonne, les choses bougent pas mal par ici. Mais il y a encore une chose qui vous manque, quelque chose de vital. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est? Une idée de ce que ça pourrait être? Non, c'est quoi? Bien sûr. C'est évident, ce qui nous manque, c'est peut-être que... Nectar Miaouni! Complètement faux! Je ne sais même pas ce que c'est! Tu plaisantes! Tu ne connais pas Nectar Miaouni? On s'en fout. C'est le meilleur groupe pop de Nyak...
Yakimoto Nyasushi. Yakimoto Nyasushi. Chibanyan est leur plus grand fan. Ils ne parlent que de ça. Si seulement ils prenaient ses obligations en tant que blasters aussi sérieusement. Un seco de commérage. Ce qui manque à cette équipe de blasters, écoutez attentivement. Prêt? Ce sont des yokai pour se battre à vos côtés. Quoi? Il est temps pour vous d'aller dénicher des alliés. Ça va être là, non? C'est votre prochaine mission. Ah non. Ah non, là on va devenir amis. Ok. J'avais oublié qu'il fallait nous apprendre comment devenir amis. Mission démarrée. Oui, bah oui, je sais, en fait. Qui veut devenir mon ami? Allô? Allô, t'es dans Yokai Watch Blaster si tu veux pas devenir mon ami? Ils me détestent. Ça se trouve, ils sont chatophobes. Comment on dit les gens qui ont peur des chats? Félinophobes. Ça doit être comme ça. Je sais pas, en vrai. Je sais pas. C'est nul. Niaou, le yokai vaincu qui est relevé. Oui. On a réussi, on a un nouvel ami. Pas encore. Minou, vas-y, allez. Allez, allez, on peut le faire ou pas? Un petit peu long tout ça, hein. Vas-y. Oula, oh non. Ok, très bien. Insupportable. Et voilà, c'est un sans faute pour le joueur français. Dans 3 mois, ça fait 3 ans de Yokai Watch 4. Ouais, donc tu penses qu'ils vont annoncer la sortie française, c'est ça? Allez, notre nouvel ami, Trépigno. Mais il trépigne. C'est sympa d'avoir de nouveaux amis dans le coin. Je pense que je vois enfin la lumière au bout du tiroir. Il fout quoi dans un tiroir? Super. Maintenant que nous avons plus d'amis, et si on essayait ça? Cercle yokai. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu ne connais pas? C'est la tendance du moment. Ok, bye bye. Bye. Ok, très bien. Waouh, les cercles yokai, ça a l'air intéressant. Bah pas vraiment en fait, c'est une fausse bonne idée. Genre c'est pas très très intéressant. Pourquoi il veut me parler Marconito? Le marchand Marconito, je me demande ce qu'il veut. Allons au magasin Marconito, premier étage. Oh, il a un ami. Emetor. Ah, bienvenue, je vous attendais. Que vouliez-vous? On va commencer à vendre de l'équipement, j'ai pensé que ça vous intéresserait. Donc, j'ai mis un ouvrier qualifié à votre disposition pour vous aider. Ça m'a l'air prometteur. Évidemment, c'est moi après tout, boss Emetor. Pourquoi boss? Ok, on peut créer de l'équipement, super. Voilà, on peut faire de l'équipement, blablabla, 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 blablabla. Allez, pour briser la glace, je vais vous fabriquer un petit quelque chose. Vous avez obtenu des matériaux lors de la dernière mission, n'est-ce pas? Et si j'en avais pas récupéré, qu'est-ce qui se serait passé? Combinez-les avec ce matériau-là, et regardez ce qui se passe. Merci. Maintenant, choisissez votre équipement. Créer. Bah, je crée ce que je veux. Oh, vas-y, épée émoussée. Let's go. C'est parti. Avec le pouvoir des LGBT. Il y a un arc-en-ciel derrière, donc... voilà. Épée émoussée. Un peu nul, mais bon, non. Ah oui, j'aurais dû équiper. Qu'est-ce que je fais? L'équipement nous aidera lors des missions, c'est sûr. Enfin, vous êtes quand même coincé avec Anthony comme instructeur. Quoi? Tu connais coach Anthony? Oui, depuis assez longtemps. Il peut rendre la vie difficile. Mais c'est pour notre bien. Ça sent le vécu. Vous feriez mieux de retourner au centre de commandement, en tout cas. Anthony a toujours été strict sur la ponctualité. Je parie qu'il a déjà préparé votre prochaine mission. Soldats, j'ai une nouvelle mission pour vous. Bien, le timing est impeccable. Cette mission est pour 4 d'entre vous. Allez d'abord vous préparer dans le salon. Eh bien, boss Emetor avait vu juste. Je sais pas pourquoi je l'ai fait zoter. Allons donc au salon alors. Allez, en avant.